Ouais, lui s'appelle Augustin. Comment Augustin? Il vit en France. Oh, t'as permis? Ah, t'as permis. Ça va, lui, c'est deux semaines, tu vois. Depuis le 6 qu'il est là. Les filles, tu as quoi, Ida? On a déjà parlé. Là, ça, il y a gueule. Il a décidé de me rencontrer. Comment on a gagné? Ce qui a été chose faite quand il est venu à Abidjan. Et nous, on est. Oh, il est bien. On a eu l'occasion de se rencontrer. Ah, ça y est, là. Il m'a déjà, on avait déjà, il m'a fait une surprise. Oh, dame bien. Il a envoyé des habits. Oh là, c'est l'année. Pour des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer les oui. Il a envoyé des habits. Oh là, c'est l'année. Voilà. Il a dit, ben, ce qui est sûr, on est ensemble. Je vois un peu les difficultés. J'ai envie vraiment d'aider les gens. Donc, si je viens, je vais faire un petit geste. J'ai apporté des habits. Voilà, donc, il a envoyé des habits. Des habits d'enfants. Voilà, des habits pour enfants. Voilà. On aura l'occasion de parler de ça. Donc, voici Zaroko. Merci encore pour ce don. J'en profite pour dire aux gens, vous pouvez nous aider. Il n'y a pas de problème. Le ministère a besoin de soutenir. Nous avons besoin d'aider les jeunes enfants. Voilà, nous avons décidé de travailler dans les villages. Il y a vraiment un besoin très énorme. C'est la pauvreté dans les villages. Certainement chez vous là-bas, vous avez des vêtements que vous ne portez plus. Ça peut être utile aux gens ici. On a vu quelqu'un qui vient des États-Unis. Il envoie les paires de baskets. Il dit c'est pour sport. Nous, on n'a pas besoin de changer. Viens nous, c'est ça. Non, qu'on n'est pas sur ça. On a monté quand on revient. Tu as faim matin, t'as des sports. On n'a pas tant de sport. On a monté quand des aéroports. C'est sport pour nous. Un peu tu peux là. Mais alors, basket vous portez là. Nous on porte ça en janvier. Mais après janvier comment? Non c'est ça dedans. Après vous voyez non, ça dit des sports. Ah mais il a pas la qui m'a. Nous c'est pour janvier. Voilà, janvier, Noël, non, c'est porté. Mais il y a bien quand on garde qu'on veut sortir, aller en ville, on porte. C'est pour dire qu'il y a un besoin très énorme. Jésus n'a pas fait que guérir les gens. Mais on a aussi à manger aux gens. Merci, Augustin. Et non seulement ça, il nous a donné des câbles. Il a envoyé des câbles, des fils. On y a un dit pour éclairer le centre. Il a capé les autres. Il m'a personnellement marqué parce que j'étais avec beaucoup de difficultés. Souvent il m'appelle à des heures occupées. J'ai dit pardon. Mais il y a en lui quelqu'un très persévérant. Dis-lui là. J'ai tout fait. Pour le voir. Il est venu à Abidjan. Il a tout fait. Il a servi depuis Abidjan. On avait rendez-vous avec ses parents. Il a eu le temps. Parce que j'ai réglé les choses avec le ministre. Il a dit, moi j'ai venu à Divo. Il est venu à 1h du matin. À 1h du matin. À Divo, j'ai vu en lui quelqu'un de très persévérant. Non, vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que nous sommes là, tout est parti d'elle. Voilà, elle s'appelle Elisabeth Dové. Tout est parti d'elle. Le Seigneur nous a utilisé pour la guérir. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aider Zaroko. Et par la grâce de Dieu, elle a cédé. On y est. On est cédé. Pour un temps. J'aimais sa persévérance. J'ai beau faire, non, tu sais. Il dit, Et j'ai vu en lui quelqu'un de très persévérant. C'est un homme de parole. On est comment qu'on parle. Il a décidé d'être là dimanche. On est venu il y a 1h du matin. Il est venu il y a Divo à 1h.
Et il n'est pas venu les bras ballants. On a recovi. Il est venu avec des dons. On n'a pas eu. Appelez-moi le petit là. Allez, il y a. La vie symboliquement. Un enfant ici à cause de sorcellerie. Il veut encore payer. Les parents l'ont laissé. On tourne un coup au bois, tu auras sauvé. Les parents l'ont laissé. Va te donner la vie. Tonton va t'habiller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, il est mort. Pas comme un plat. Voilà. Ses parents, on l'appelle de l'ivrance, il a parlé, mangeait d'âme, tout ça, puis ses parents ont fait de l'ivrance. Parce qu'on a décidé de l'aider. C'est un enfant, il a droit à la vie, il a droit à l'éducation. Hein, petit, janvier t'as fait. Petit, brûle ça. Allez. Bazaré! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je dis. Ton janvier est clair, est clair. Il faut vraiment chercher le bain. On aura l'occasion de lui donner assez d'habits par la grâce de Dieu. Amen. Il y a vraiment beaucoup d'habits. Amen. On aura l'occasion. Il y a pour les bébés, il y a pour tout. Au moins, lui, il est venu. Il n'est pas venu bras ballants. Normalement, on a reconnu. Voilà. Et c'est vraiment important de penser aux enfants. Vraiment, cela relève. Même si ces personnes sont sorcières, nous pouvons les délivrer de la sorcellerie. Et puis les aider. Il y a un si vous êtes Duval. Il y a Duval. Bon, ce qui est carrément. Non, non, voilà, il n'y a pas de maltraitance d'enfants ici. Souvent, quand les gens voient les vidéos, quand les enfants, les gens font les aveux, eux, ils pensent qu'on maltraite l'enfant. Non, on ne maltraite pas l'enfant. Mais l'enfant dit qu'il tue. Donc, il fait peur. Donc, ici, nous l'enlevons, c'est qu'il tue en lui. Donc, on appelle sorcellerie. Et puis, on les aide. D'accord. Moi, je suis escolarisé des enfants dans ce village. Ah, mais il y a donc, moi, un enfant a droit à la vie. Un enfant a droit à l'éducation. Il n'a pas. Mais il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Mais il a quoi, le blanc, quand occidentale. Les blancs ont leur réalité. Nous aussi, nous avons nos réalités. La sorcellerie existe ici. Et les enfants, ils sont dedans. Ils sont dedans. Il faut les désarmer. Voilà. Petit, on va prendre la vie, on va donner beaucoup, beaucoup. On est en train de gagner. Donc ça, la pardon. Mais ça. Ça, là, moi-même, j'ai mes essences. Et puis, ça, la laisse. Mais ça, job profond. Et ne dis rien. Vous lui dites ça. Merci, Abby. Vous dites merci à tonton. Va lui saler. Mais non, Joe, va lui. Tiens. On va donner après, Cynthia après, tu vas trier les habits que tu lui donnes. On va arracher quelques mots à Auguste, c'est important. Voilà. Sinon, vas-y, Zarco. Le centre est prêt en construction. C'est un préau, nous avons aussi besoin de finances. Nous avons besoin de mettre encore des trucs ici pour permettre aux gens d'être plus à l'aise. S'il vous plaît. C'est un ministère qui est efficace par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un bon rendement. Il y a des personnes qui sont délivrées. Il y a un journal d'État ici, l'État tenu une folie d'être délivré. Il y a beaucoup de cas de délivrance ici. Et nous avons aussi besoin de moyens. Il y a des difficultés. Arriver jusqu'à Zarco. Les petites voitures, elles ne pourraient pas venir ici. Donc, voici les difficultés. Oui, puisque nous sommes amour. C'est ça qu'on appelle la compassion des âmes. Obligé de venir. Hier, je suis parti à 3h du matin. Nous avons tard. Souvent.
Je me réveille tôt. À mon cas, besoin. Pour aider des personnes. N'a quoi que. Ce dont nous avons maintenant besoin. Les amateurs. Mais très efficace. C'est le moins. Moi, va votre. Il y a 4-4 là. Il y a 4. 4 Tommy, 4 4. 3 ans, la Côte d'Ivoire, je délivre. Zitadien, la Côte d'Ivoire, je délivre. 4-4. 4 Tommy, 4. Je mets toute la brigade dedans. Ils ont un bouvet. On est vite de ça. Mais quel est là. Puis on va délivrer la Côte d'Ivoire. Avec eux, on a un gros savoir déjà. Voilà, donc on va t'arracher quelques mots. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, parce que je suis à Zarako, c'est un plaisir pour moi. Non, je tenais vraiment à connaître Zarako. Prenez ça comme ça. Zarako. C'est un peu dommage qu'on arrive, il fait nuit, il fait soir. Il n'y a plus le village. Je retourne bientôt, je compte revenir. J'aurai vraiment l'occasion de bien voir le village. Et concernant l'aide qu'il faut apporter, je ne veux pas faire de promesses, mais je ferai le maximum que je peux faire à soutenir le mettre en place, parce que moi, franchement, je lui ai dit depuis Paris que ça me fait plaisir de lui venir en aide. Donc, déjà ce que j'ai ramené, ça peut éclairer tout ici. Ouais, tout ici. Amen. Déjà ça, c'est béni. Je tiens à. J'espère que ça passera sur les nets. Voilà, je tiens à inviter à d'autres personnes. Et là, même lieu, maman. Pas que moi j'ai les moyens, mais. Il y a un capou qui était à Kaman. Ramener. Ce genre de soutien. Non, il y a le ministère que mon frère il essaie de mettre en place parce que c'est important pour la jeunesse ivoirienne. Mais il y a plus de gars. On peut vivre mieux et venir voir les gens dans les villages. Parce que à cause de la soutiennerie, il y a des gens en France qui veulent même pas côté. Ça fait 20 ans, 30 ans, ils sont là-bas. Mais on leur dit, même tu es ici, tu es en Chine, le sorcier est pas là. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de soutenir le grand frère. Je l'ai causé avec lui, je lui ai dit, s'il y a au moins 4 personnes comme lui, comme ça. Non, c'est quoi, moi, quand tu vois, il sera délivré. Je lance un appel à mes amis de la diaspora qui peuvent aider son ministère afin de œuvrer ce qu'il est en train de faire prospérer et pour que toute la Côte d'Ivoire soit délivrée. Moi personnellement, je vais l'aider du maximum que je peux. Je ne vais pas lui dire ce que je vais faire. Et là, ça, mais il verra ça lui-même. Et nous, on est nos amis. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi d'être à Zarako. Vous voyez comment Zarako est devenu international. Tout le monde entier, on connaît Zarako. Le nom. Et j'ai même mes amis. On va venir ensemble. On va porter le maximum de soutien qu'on doit. Pour aider son ministère, pour aider les enfants qui sont abandonnés. Parce que les enfants, c'est important. Donc, moi et mes amis, je vais citer les noms. Il y a Mathieu Lerobi. Il y a Daïsej. Ils viendront avec moi. On va amener ce qu'on peut ramener dans la famille. Dieu vous bénisse. Oui, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons prier pour lui. Parce que la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Il a fait un don. À son retour, que les difficultés qu'il traverse là-bas, c'est le mieux compris à pied. Que Dieu défende quand ces difficultés. Dans le nom de Jésus-Christ.
Que Dieu lui ouvre encore assez de portes. Que Dieu lui donne assez de moyens. On en fait de pouvoir promouvoir l'évangile. C'est nous allons prier pour lui. Prions ensemble le Seigneur. Ah oui, d'accord. Prions le Seigneur. Ah oui. Prions le Seigneur, notre Dieu. Cette nuit, notre Dieu. Sera arrosé, qu'il y a plusieurs bonheurs, il y a plus de bonheur plutôt de donner que de recevoir. Ton serviteur, ça faisait un moment qu'on s'est vu sur le net, on a échangé, puis il est venu en vacances, il n'est pas venu les voir là, a aidé les enfants de Zaroko, il est à cœur plein de choses, soutenu le ministère. Certainement, il traverse des difficultés, il y a certaines choses qui sont bloquées, mais en ton nom, il est actuellement à Peniel. Un endroit de miracle, un endroit de restauration, un endroit de délivrance. C'est en ton nom, Seigneur, notre Dieu, que je décante toute situation difficile au nom de Jésus-Christ. Et à compter d'aujourd'hui, je proclame la grâce de Dieu sur ta vie. Que tu sois un multimilliardaire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu fasse de toi un milliardaire. Amen. Un multimilliardaire. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah. Oui, merci Augustin. Voilà, merci. Nous faisons longtemps. Encore l'appel à tous ceux qui veulent aider le ministère, de nous soutenir parce que nous avons besoin des moyens. C'est le ministère même d'ailleurs qui a plus besoin des moyens. Parce que nous sommes sur le terrain. Voilà. Nous avons l'amour des âmes. Il faut soutenir ces personnes. Il faut évangéliser. Il faut avoir des voitures. Mais en même temps, ils ont gagné Zaroko, ça me fait mal. Oui, Zaroko. Il va rester stop demain, c'est vrai. Moi-même, il est toute la journée, il dit, mais je fais parler avec Denis. C'est quoi, vous avez fait? Il y a non, là. Zaroko a perdu. Nous avons tous vu Zaroko a dansé. Zaroko, il y a non, là. Oui, mais non, on a tous vu. Mais ça fait rien. Tout ce que Dieu fait, Mohamed. Tout le monde supporte Zaroko. Zaroko, je vous dis la vérité. On va monter, on va descendre. Je vous supporte Zaroko. Tout ce que Dieu fait, bon. Vraiment, la grande édition. Ils ont gagné, ça c'est la première édition. C'est quand même bon. On va s'apprêter. Amen, à bon soir. Deuxième, on gagne ça. Amen. Voilà, hier, nous avons eu. Version chrétienne, justement pour égayer la jeunesse. Parce que nous passons à la relève. Ce carton Vata a connu assez de difficultés. Ce carton Vata a perdu aussi assez de cadres. Quand les cadres meurent, il faut d'autres personnes pour les remplacer. Et c'est l'école. L'école, la jeunesse. Et c'est à cette jeunesse-là qu'il faut apporter l'évangile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le mois de décembre, nous avons organisé Ave de Noël. Le temps d'échanger avec les enfants. Ce sera que ceux qui ne nous connaissent pas, ils pensent qu'on maltraite des enfants ici. Quand ils voient les enfants parler, l'enfant dit la tuer, vous pensez qu'on maltraite. Nous avons organisé Ave de Noël. Nous avons donné à manger aux enfants. Nous avons donné les meilleurs jouets dans le mois de décembre aux enfants d'ici. Nous avons organisé une compétition de football. On nous a pris 1 300 000.
333 000 francs pour organiser tout ça. Et vacances, nous avons organisé mini varétoscope version chrétienne. Vous savez ce qu'ils ont dit, et j'ai compris. Où ils ont gagné les arocos, c'est le génie. La récité versée là. C'est là où ils ont gagné. C'est là, il y a plus de points. Vous aussi, vous êtes venus à prier ici, vous ne pouvez pas verser. Ah, vous venez, mais je l'avais dit. Vous venez danser seulement là, vous avez dit. Vous venez prendre Bible pour lire. Vous avez dit quoi? Non, mais lire Bible, non, c'est pas Bible. Les gens qui de loin vivent où gagnent. Mais c'est loin, ça arrive l'année prochaine. Amen. Donc c'est là qu'ils vous ont gagné. Donc il faut gagner la jeunesse. Vous voyez, aujourd'hui, ici à Zaroko, les gens mouraient. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ils sont venus à Bata. Et c'est ceux-là qui vont développer demain le village. Et c'est ce travail qu'on est en train de faire. Après cette cérémonie, je vais les rencontrer le dimanche prochain. Il y aura encore une autre cérémonie où nous allons devant les autorités donner de l'argent pour réhabiliter les dispensaires de Zaroko. Nous devons apporter à Zaroko. Et c'est vraiment important. Donc je lance encore l'appel aux gens. Ici à Zaroko, il y a un dispensaire. Que si Dieu vous met à cœur d'aider ce dispensaire, il faut que ce dispensaire soit équipé. Il est un nom. J'ai causé avec celui qui est derrière la caméra. Encore il m'a donné l'idée. Il n'y a pas de salle d'échographie, on ne fait pas ça ici. Il faut ça partit des gens. Donc ceux qui ont les appareils pour l'échographie, et radiographie, c'est ça aussi. Tout installé ici à Zaroko. Tout installé. Faites de Zaroko un centre. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Faites de Zaroko quelque chose de puissant. Il y a des gens qui sont venus de Londres. Ils voulaient même se balader à Zaroko. Lui-même est venu la nuit là. Il a envie de se balader à Zaroko. Oh, d'accord, Zaroko, il maintenant. Nous avons fait des Zaroko. Zaroko a lieu de pèlerinage. Zaroko est connu dans le monde entier. Zaroko, tu le bébé, il Zaroko. Dans le monde entier. De Maïbou, il est le 5. Il y a des Camerounais qui arrivent. Dès que leur réservation, ils vont venir ici. Voilà, ils viendront ici. Ils sont en quête de délivrance. Ils viennent pour leur délivrance. Parce qu'ils savent que Dieu est ici. Avant, on parlait des funérailles. Les gens avaient peur. On mangeait, etc. ici. Maintenant, c'est fini. Amen. Tous les vendredis, il y a un funérailles ici. Au lieu des funérailles, c'est veiller des prières. C'est ça, celui qui dit que Crasso n'a rien fait ici. Il est maudit. On parle. Amen. Tout est parti, le réveil est parti d'elle. Le réveil spirituel est parti d'elle. C'est parti d'elle. Et vous savez que ce n'est pas facile. Surtout pour affronter la sorcellerie, affronter les œuvres de ténèbres, malgré les difficultés, malgré des menaces. Nous sommes dedans. Amen. Parce qu'il faut que les personnes aient la vie. Pour nous, c'est ça notre combat. L'homme a droit à la vie. Nous allons nous battre. Quand la dernière énergie permet à d'autres personnes de vivre librement. Amen. Donc, Zaroko, ça ne fait que commencer. Il y a beaucoup de choses dans le futur. Beaucoup de choses. Il faut que les gens soient prospères. Oui, parce que si Zaroko est délivré, il faut que Zaroko reste une cité. Amen. Notre combat. Depuis que nous sommes là, tout marche à Zaroko. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils gagnent plus d'argent maintenant. Ils gagnent assez d'argent. La présence de Dieu quelque part, c'est la prospérité. Tout prospère.
Même si les gens sont contre moi, ils sont jaloux. Tu es avec moi. Moi, j'entends. Amen. Moi, je ne regarde pas. Je ne regarde pas ce que les gens disent. Mais je regarde la vie que j'apporte dans la vie des gens. Je regarde parce que c'est ça. Je dois être utile à Dieu pour apporter quelque chose dans la vie. Je sais que par moi, quand je suis dans les difficultés, je pleure devant Dieu. Je dis, mon cœur est blessé. Parce qu'en retour, c'est la méchanceté. Et quand il y a une union, aide-moi. Aide-moi. Et je me souviens que Jésus lui-même a vécu ça. Amen. Ça ne fait que commencer. Toutefois qu'il aura des dons, nous allons les envoyer ici. Là. Notre prière, moi, ma prière. Quand j'ai fini de dispenser, je serai content. Tu serais bien. Tu as fini ça. Tu serais trop content. Je vois les femmes aller accoucher là-bas. C'est une question de temps maintenant. C'est très bientôt. Amen. Il a besoin d'aller à Divo. Amen. Quand tu m'entends bien, Zarko a besoin d'appareils d'échographie, radiographie, d'équipements, médicaments. Déjà même, j'ai reçu déjà des kits de médicaments d'accouchement. Pour les femmes, oui. C'est déjà Abidjan. Oui. On attend la cérémonie pour donner ça au village des Amis. Amen. Parce que c'est ça l'église. L'église. Moi, depuis que je suis ici, je vous ai montré une autre manière de voir l'église. Ici, là. Il y a deux pasteurs, ils disent donne-le, il mange. Moi, je donne. Je viens dans le village, je paie à manger aux gens. Et tu rien quoi aller. Je viens dans ce village, je donne l'argent aux gens. Et y a quoi ça? Et les gens, eux, ils mangent son mec. Si tu sais que le donner est bon, toi tu dois être un modèle, un exemple. Vous dites aux gens, donnez. Et puis vous ne donnez pas. Et toi tu n'es pas dans la vérité. Si tu sais que donner est bon, tu dois être exemple, modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Moi-même, j'imite Jésus. Voilà. Donc, si tu veux, le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain. C'est ça. Dans la nuit, nous sommes là. Parce que nous ne pensons qu'à vous. Comment faire pour vous aider? On délivre la sorcellerie et met tous les moyens à votre disposition. Organiser tout ça, c'est de l'argent. C'est pas quelqu'un. Barétoscope là, c'est mon propre agent. On m'a même demandé aux gens de venir parler, ils ont refusé. Oui, ils ont refusé carrément de venir parrainer. Mais c'est mon agent. C'est pas quelqu'un, c'est mon agent. Et la semaine, le dimanche prochain, pour encore vendre l'image, pour montrer aux gens Zarko, j'ai décidé de faire mon clip ici. Je ne suis pas contre vous. Je ne vais jamais être contre vous. Mais regardez ce que j'ai fait. Jésus dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œufs. Croyez à cause des œufs. Depuis que je suis ici, quand vous regardez le temps, vous comprenez que c'est l'évolution. Les choses ont changé ici. C'est ça la vie. Même si tu n'es pas d'accord, mais tu as les yeux pour voir. Les choses ont changé. Voilà. C'est notre prière. Vos enfants doivent devenir des cadres. Il y a une génération qui s'en va. Une autre génération vient. La vie là n'est pas faite d'improvisation. Tout se prépare. Si nous voulons moins des cadres, il faut former. C'est pour ça qu'à la rentrée, nous aurons encore une autre nation qui sera menée pour aider les élèves. Amen. Vous savez, la plus grande bénédiction, c'est de donner. Et moi j'ai remarqué ça. Les gens me trouvent que je donne trop mon arrière. Mais je manque aussi d'argent. Quand j'ai des difficultés, Dieu me donne. Amen. C'est comme ça. Parce que Dieu sait que je suis une source de bénédiction. Il sait que quand il y a l'argent, là, je ne mange pas seul. Toi, il met dans ma poche. Toi, tu refuses de donner aussi à d'autres personnes. Mais toi, tu refuses de donner. Toi, il n'y a pas de donner. Au contraire, c'est les difficultés. Vous savez, celui qui est avare, son argent va rentrer n'a fait de régler le problème. Par contre, celui qui donne, Dieu sait qu'il est une source de bénédiction. Il donnera toujours. Pour qu'il puisse aussi donner à d'autres personnes. Comme Dieu ne descend pas du ciel, Dieu attend d'utiliser les gens. C'est là qu'en donnant, il y a toujours une bénédiction.
Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour Zaroko. Et merci pour tout le canton Vata que tu délivres dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de préparer la relève du canton Vata. Nous prions encore pour les cadres. Nous te demandons d'étendre ta main, de bénir la jeunesse, de bénir encore ces jeunes enfants. Et Seigneur, débarrasse toute cette région du Vata, le canton Vata et la région de Divo. À partir de cette région et toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général, de la prison de la sorcellerie. Et bénis-nous, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que c'est avec toi et toi seul qui peux nous bénir. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Ouais, soyez bénis. Amen.